Sur Europe 1. Sa proposition de loi pour juguler la haine sur Internet doit être votée définitivement cet après-midi à l'Assemblée. Mais, mais, Pierre, c'est un autre combat que s'apprête à mener Laetitia Avia. Mais la députée à la REM de Paris est épinglée par Mediapart. jean cabéry de Bourgeois, elle est accusée de harcèlement, de racisme, d'humiliation par d'anciens assistants. Oui, et selon l'enquête de Mediapart, qui cite cinq ex-collaborateurs de Laetitia Avia, les témoignages sont accablants. Ils expliquent avoir subi des humiliations au quotidien et révèlent, je cite, un fossé entre les valeurs que l'élu défend publiquement et ce qu'ils ont constaté en travaillant à ses côtés. Par exemple, un salarié d'origine asiatique était son bouc émissaire, selon ses anciens assistants. L'une d'elles se souvient. Elle l'appelait parfois le chinois ou reprenait des clichés racistes pour parler de lui. Mediapart publie des échanges sur la messagerie Telegram. Laetitia Avia écrit « Tu es un faux chinois, tu ne maîtrises pas Mac ». Mac, l'ordinateur. Autre accusation, des sorties déplacées sur les homosexuels. Exemple, en avril 2018, juste après avoir voté un amendement en faveur des réfugiés LGBT, la députée écrit un SMS à ses assistants « On a voté l'amendement des PD ». Laetitia Avia se défend sur ce point. C'est l'expression qu'utilisait mon ex-collab, lui-même homosexuel, pour désigner cet amendement que j'ai soutenu. L'élu parisienne dénonce des bouts de messages Privé, tronqué, détourné et décontextualisé, son avocat annonce déposer plainte en diffamation. Jean Gabriel Bourgeois.